Ouais, c'est bon. Maintenant, tu es dans la forêt avec moi. Tu vas pouvoir m'obéir. Mais pourquoi tu m'as emmené jusqu'ici? Ne t'inquiète pas, tu vas rester toute la nuit dans cette forêt avec plein de moustiques. Ah, il y a plein de bestioles là, c'est horrible. Je t'ai pas prévenu. Fais attention aux serpents. Il y en a plein dans les arbres. Des serpents? Non, mais sérieux? Oui, des serpents à lunettes, des serpents non, à collier. Mais comment je vais faire? S'ils te mordent, c'est fini pour toi. Bon, écoute. Tu vas rester avec moi toute la nuit. T'es sûr de pas vouloir aller à un autre endroit là? Non. Je t'ai emmené dans cette forêt pour une raison. Il y a quelqu'un qui va te rendre visite. Reste ici. Okay. De toute façon, tu ne peux plus t'échapper. Okay. Et personne pourra venir t'aider. Personne sait où tu es. Bon allez, bon courage, Ily-Rose. Et surtout, garde-moi auprès de toi. Merci. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là ça va, j'ai pu réunir une équipe. Donc je suis avec le fameux Jérémy que vous connaissez. Une équipe. Voilà, une équipe, enfin, on est que trois pour l'instant. On va être rejoints, j'espère, par plus que de c'est personnes. J'ai appelé notre demi-sœur, j'ai appelé Valentin pour qu'on soit le plus nombreux possible. Parce que là, on a perdu Ily-Rose. Voilà, cette vidéo elle va pas être drôle. Tu as perdu Ily-Rose? Non, j'ai pas perdu Ily-Rose. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. En gros, ce matin, on se réveille, donc comme d'habitude, vers 8h du matin, moi et Peppa Pink. On va dans la chambre de Ily-Rose, elle n'est plus là. Impossible d'avoir sa trace, vraiment, elle n'était pas dans la salle de bain, elle n'était pas dans la maison. On a cherché pendant au moins une heure dans notre maison. Ouais, non, mais va voir par là et tu continues sur le chemin. Toi, Jérémy, tu me suis, comme ça je reste pas tout seul, comme je suis en train de faire la vidéo et tout. Bon, dans cette forêt, il y a énormément de moustiques. Oui, là, vous avez compris, on est dans la forêt. Et en gros, pourquoi on cherche dans la forêt? Il y a une raison, les amis. Parce qu'en fait, on a cherché pendant une heure dans la maison et là... On a soulevé la couette de Ily-Rose et sous sa couette, il y avait un mot avec écrit « Bonjour, vous ne trouverez pas Ily-Rose. Je l'ai ramenée avec moi. Ne cherchez pas à la retrouver. Maintenant, elle m'appartient. Signé la poupée maudite. » Donc voilà, vous l'avez compris, c'est la poupée maudite qui est revenue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la poupée maudite, c'est tout simplement une poupée. Voilà, que quelqu'un nous a apporté, que quelqu'un a amené chez nous. Et cette poupée, elle parle. Oui, donc c'est une sorte de jouet qui parle. Et oui. J'ai plus de signal d'un coup là. Oui, non, mais ici dans cette forêt, il n'y a pas de connexion internet de toute façon dans ce truc. Oui, il y a quoi? Il y a des serpents. Et où? Ouais, bah tu veux que je passe quoi? On est dans la forêt, c'est normal qu'il y ait des serpents. Et non, mais du coup, tu cherches pas par là. Bah non, il y a trop. J'ai vu un serpent là. Non mais si, faut chercher, c'est pas parce qu'il y a des serpents qu'on doit s'arrêter de chercher. Du coup, là, les amis, ce que je suppose, c'est que cette poupée maudite est en train de contrôler Ily-Rose et qu'elle lui dit quoi faire. Du coup, calmez-vous là, mais vous êtes jamais allé dans la forêt de votre vie ou quoi? C'est le serpent. C'est pas moi, c'est le serpent, je te dis. Oui, bon allez, de toute façon, on est obligé de passer en dessous des arbres. Là, les amis, on est en train de s'enfoncer dans la forêt. C'est une catastrophe. Ouais, pareil, mais bon, moi j'ai pas envie de me perdre non plus. La poupée maudite, si elle a caché Ily-Rose avec elle, il n'y a pas 50 000 solutions. Elle l'a certainement cachée dans la forêt, elle l'a certainement emmenée dans une cabane ici, ou dans une grotte, ou dans un truc comme ça. Mais si, cherchez avec moi, ouvrez les yeux, ça tombe, on va bien finir par tomber sur elle. Ily-Rose! Lily! Oh non, c'est pas possible. Pas déjà. Elle est là. Lily! Esteban! Ily-Rose! Purée, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah mais attends, viens, cache-toi. On retourne là-bas. Purée, mais t'es en train de me sauver là, vraiment. Mais oui, je suis en train de te sauver, mais pourquoi tu criais pas? Mais parce que la poupée, elle veut pas que je crie. Ça fait une heure qu'on t'appelle partout dans la forêt. Elle m'a emmené ici, apparemment je dois attendre quelqu'un, je sais pas qui, mais... Je dois attendre quelqu'un? Purée, elle me fait trop peur, tout à l'heure elle m'a encore parlé. Et non, mais tu sais que tu nous énerves, toi. Mais je sais pas pourquoi elle m'a amené dans la forêt, en plus elle fait super peur cette forêt. Bon, écoute, à partir de maintenant... Tu ne nous quittes plus, d'accord? Ok. Tu restes avec nous. Ouais. Comment vous avez fait pour retrouver Ily-Rose? Ouais. En même temps, tu nous as laissé une lettre. Ah oui, je t'ai pas dit, Jérémy, c'est une poupée qui parle. Bah ouais. Comment vous avez fait pour la retrouver? Je ne vous ai jamais dit que c'était dans la forêt. De toute façon, je me vengerai tout de suite. Non, t'as vu, elle fait super peur. Bon, écoutez, écoute la poupée. On a su que c'était dans la forêt parce que c'est pas bien compliqué. À côté de chez nous, il y a une forêt. À chaque fois qu'il y a des problèmes, ça vient d'ici. Tiens, Jérémy, prends-le. Non, lâche-moi. Lâche-moi, je veux que ça soit Peppa Pink. Non, arrête, elle va t'ensorceler. Pourquoi moi, là? Peppa Pink, écoute-moi. Oui? Tu vas me laisser faire ce que je veux avec Ily-Rose. Quelqu'un va nous rendre visite bientôt. Je ne veux pas que le rendez-vous soit compromis. Oh non, et c'est donne-moi Ily-Rose tout de suite. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas.
peux pas, elle me fait trop peur. Non, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Lily Rose, reviens ici. Vas-y, Jérémy, poursuis-la, poursuis-la. Faut pas qu'elle parte. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, espèce de poupée maudite? Attends, donne-la moi. Vas-y, prends-la, parce que moi... Je vais la garder avec moi, les amis. Parce que cette poupée, elle, en fait, elle arrive à contrôler Lily Rose. En fait, elle nous fait tellement peur. C'est ça le problème, c'est qu'elle nous fait tellement peur qu'on est obligé de suivre ses ordres. Et à chaque fois qu'on fait pas ce qu'elle veut, elle revient chez nous, elle détruit notre maison, elle casse des objets. Enfin bref, c'est une grande catastrophe. Bon, écoute, Lily Rose, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que tu fais? Regardez, elle se cache dans les buissons carrément. Ah non, Lily Rose, c'est un enfer. Non mais c'est bon, je l'ai dans les mains, je la tiens. Il y a personne. Oh ouais, non, mais c'est un papillon, tu vas pas avoir peur. En même temps, aussi, ici, c'est vrai qu'il y a plein de... La nuit, il y a plein de chauves-souris, il y a des serpents, il y a même des loups ici. Faut vraiment qu'on la jette ou qu'on la mette quelque part dans la forêt, parce que je veux plus la voir. Bon, écoute, on va la laisser quelque part dans la forêt, oui. Parce que de toute façon, on peut pas la contrôler. Elle reviendra forcément chez nous à un moment donné. Mmh. Mais si on la laisse ici, elle va peut-être nous laisser tranquille un moment, ok? Mmh. Et toi, tu rentres avec nous, oui. On a une voiture, et qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire, on la met là. Ah ouais, on la met dans le trou, vas-y. Mets-la dans mets-la dans ce trou là. Non, voilà. Elle revient chez nous comme... Non, mais même si elle revient chez nous, de toute façon, écoute, pourquoi tu as suivi ses conseils? Pourquoi tu l'as suivi dans la forêt? Mais je sais pas. On t'a déjà dit de ne pas le faire. Je sais pas, elle m'a obligée. Elle m'a dit, si tu fais pas ça, tu vas voir, je vais te contrôler, tu pourras plus jamais voir ta famille. Nan, nan, nan. Mais elle est super méchante, mais c'est horrible. C'est bon, elle est là. Mais elle est où? Oh mais non. Elle est où? La poupée? Tu l'as mise où? Bah, tu l'as vu, je viens juste de la mettre là. Bah, non, mais elle est où? Mais sérieusement, vous l'avez déjà perdue? Non, mais c'est pas possible, elle a pas disparu quand même. Mais elle est où? Je sais pas. Mais tu l'avais mise dans le trou? Bah oui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais attends, mais imagine, elle est retournée chez nous. Bon, allez, vite, les amis. On revient, on retourne à la voiture. On prend Lily Rose avec nous. Lily Rose, surtout, tu ne nous quittes pas, d'accord? Oh, il y a plein d'insectes ici, j'arrête pas d'en avaler. C'est une catastrophe. Surtout, tu nous suis et tu ne nous quittes pas. Même si elle réapparaît, tu n'écoutes pas ce qu'elle dit. Chut, attends. Chut. Vous entendez quelque chose? J'ai entendu marcher. Marcher? Oui, des petits pas. Après, il y a peut-être des animaux dans la forêt, hein. C'est pas forcément la poupée. J'espère. Bah, allez, vite, on s'en va, vite. Allez. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, moi, j'ai pas confiance. Allez. Ouais, toi, tu retournes dans ta chambre, tu bouges pas. Oui. Et si tu entends le moindre bruit, tu nous préviens. Ouais, direct. Tu restes à côté de moi. Cette fois, faut pas qu'on se fasse avoir par cette poupée. Allez, bon, les amis, on va retourner à la voiture. On espère qu'elle va pas nous suivre et qu'elle ne va pas donner. Chut, chut. Vous entendez ou pas? Quoi? C'est sûr, il y a quelqu'un qui nous suit. Non. Si. J'ai l'impression d'entendre le rire de la poupée quelque part là. Non, mais attends. Elle est en train de nous hanter comme d'habitude. Ah, je suis là. Je l'entends aussi, hein. Je l'entends. Ça vient. Je suis oui. Ça vient de haut des arbres. Ça vient d'en haut des arbres. Elle est en train de nous suivre. Parce qu'elle grimpait à l'arbre, on l'a laissé. Elle est en train de nous piéger. Hein. Bah, forcément, elle est quelque part. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je la déteste. Vous la voyez quelque part? Mais on la voit nulle part, tu la vois quelque bien. Part non. Écoute, vite, peut-être qu'elle est en haut des arbres ou perchée, je sais allez, pas. On s'en fiche, moi j'ai peur, faut mais aller non, à la voiture. Mais non, mais si elle nous suit, ça sert à rien, elle va retourner oui, chez nous. On va la semer. Elle va la retrouver bah, dans la forêt une seconde fois. Allez. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si elle. Bon, écoutez, les amis, on n'a pas trop le choix, de toute façon, faut avancer. Si on n'avance pas, on va finir la nuit dans cette forêt à chercher une poupée maudite. Et c'est pas ce que je veux. Bon, je vais. Écoutez, les amis, je regarde une dernière fois par ici. Ah, je vais monter cette pente, c'est ultra pentu. Je monte cette pente, je regarde une dernière fois par ici. Et si je la vois, je vous préviens. Non, les amis, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien ici. Donc, impossible de la voir. Elle est même pas en haut des arbres. Je comprends pas ce qu'elle fait. Bon, non, faux signal. Je la vois pas. Je la vois pas. Ah, regardez. Il y a une branche. Il y a une branche qui est tombée de l'arbre. Ça tombe, elle est en train de nous observer. Bon, les amis, je pense qu'elle est en train de nous observer. Ouais. Donc Lily Rose, on fait ce qu'on s'est dit. Ouais. Tu restes avec nous. On va te surveiller 24 heures sur 24. On va mettre des caméras de surveillance autour de toi pour être sûr qu'il ne se passe rien. C'est horrible. On fait ça? Ouais. Et les amis, on fera certainement une vidéo sur cette poupée maudite, une autre vidéo, la suite de cette série, parce qu'elle risque de revenir, comme on n'a toujours pas réussi à s'en débarrasser. Ouais. Allez, bon, mettez un like, abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur une vidéo. Allez et donnez-moi du courage parce que cette poupée, ouais, elle est vraiment horrible. Donnez du courage à Lily Rose et allez voir une autre de nos vidéos ouais. En cliquant sur l'écran ou en rentrant sur notre chaîne. Allez, à la prochaine.